Ah, moi qui l'ai en classé surprenant. Attention, ça va partir. Allez, j'ai 6 pilotes sur la feuille de rail. Oh, c'est parti très très vite pour monsieur William Leroy de Solon, mais c'est sans compter sur des crayons. Eric, il est de Cernay, c'est lui qui vire en tête. Leroy, William est en deuxième position, il est de Solon, la troisième position pour l'instant, c'est pour Lefebvre Laurent, il est de Satavol. La quatrième place, le numéro 61, je le connais bien, c'est Gardiès Laurent, il est de 3. Voilà les quatre qualifiés qu'on verra tout à l'heure pour la finale. Pour l'instant, rien n'est changé, rien dans le dernier virage. Pour l'instant, ça reste comme ça avec des crayons Eric de Cernay. Monsieur Laurent William de Solon, monsieur de Satavol, Lefebvre Laurent et Cardinès Laurent de Troyes. Voilà, Rice 203 qui vient de passer. Ouh, c'est chaud, 204 pour la catégorie cruiser mixte. Attention, c'est Brelot Stéphane de Bolivander qui a pris le part devant Pierre Anaïs. Oh là là, elle se retrouve enfermée entre trois pilotes. Rien n'est fait. Il y a deux pilotes de Strasbourg qui veulent s'interposer avec lui, Julien et Angélique. Oh là là. Alors, en deuxième position, c'est bien le 89. C'est Bruno Stéphane de Beaulieu-Mandeur. Puis Anaïs est qualifié. Le numéro 33, je ne l'ai pas cité, de Giro de Bettencourt. Tout va se jouer sur la dernière ligne droite. Allez, première demi-finale, catégorie. Allez Arthur ! Attention, ça envoie du lourd déjà avec le pilote de Champagne du Fresne, Yann. C'est lui qui a pris le meilleur sur un pilote solennel, Bruno Enzo. Oh là là, qu'il est bien, le pilote de Bonne Bimix, monsieur Paco Froidevaux, pardon. Attention à son intérieur avec le numéro 46. C'est le pilote du Genève, Nicky Charles. Stéphane, c'est 48. Voilà pour les quatre premiers, je vous ai tout cité. Avec Dufresne Yann de champion en première position, Bruno Enzo de Solo en deuxième position, Nicky Charles de Dijon et monsieur Froidevaux Paco de Bimix. Ils sont qualifiés, ces quatre-là, pour la finale, catégorie des poussins. Sixième manche, challenge d'un Stavold.